Bon matin tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de filmer une vidéo qui est toujours très en demande. À chaque fois que je vous demande dans la section des commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou sur Facebook, ce que vous voulez voir dans mes prochaines vidéos, la grande majorité des commentaires, c'est toujours de voir qu'est-ce que je mange dans une journée. C'était des vidéos que je faisais vraiment souvent avant, mais ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait parce que j'ai réalisé que j'étais pas vraiment la meilleure en cuisine. Je suis bonne à suivre une recette, mais comme pour inventer des trucs, c'est pas vraiment ma force. Mais là, vu que ça a l'air d'être quelque chose qui vous intéresse, ben je me suis dit que j'allais juste tout simplement vous montrer qu'est-ce que je mange dans une journée. Donc, j'ai aucune idée comment que ça va se passer, mais on va commencer ça. Avant de commencer à manger, ces derniers temps, j'ai essayé le Body Bloom de Sarah's Day. C'est une de mes YouTubers favorites, je l'aime vraiment vraiment beaucoup. C'est une fille vraiment dans la santé holistique, puis elle s'entraîne beaucoup, elle fait beaucoup de sport, puis elle montre beaucoup qu'est-ce qu'elle mange. Elle est pas végé, mais elle a vraiment plein de recettes qui le sont, fait que c'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, je voulais l'encourager parce que je l'aime beaucoup. Puis c'est ça, elle a créé son propre produit qui contient plein de probiotiques, puis plein de belles plantes, puis plein de belles affaires qui sont toutes vegan, biologiques, sans OGM, sans gluten, puis et tout ça. Puis c'est supposé vraiment aider pour les cheveux, les ongles, la flore intestinale, les intestins, tout ça, fait que je me suis dit que j'allais l'essayer. La seule affaire, c'est que le pot est vraiment difficile à ouvrir. Ouch. Honnêtement, je pourrais pas vous dire si j'ai remarqué des changements depuis que j'utilise ça parce que de un, ça fait pas super longtemps. Puis je suis pas très consistante non plus, je le prends pas à tous les matins, je suis pas très bonne à m'en rappeler. Mais je me dis au moins que ça l'aide à m'hydrater le matin. Donc ça m'aide à. Ça me force à prendre un verre d'eau complet. Puis ça goûte quand même bon. C'est pas merveilleux, mais c'est correct, t'sais. Fait que je vais juste mettre une cuillère à thé environ dans un verre. Et puis là, regardez la magie. Je vais remplir ça d'eau. Quand on se met à brasser, ça devient un beau rose. C'est super beau, la couleur est très belle. Donc, je vais siroter ça, puis après, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais me faire pour déjeuner. Bon, alors pour déjeuner, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire quelque chose de différent parce que si vous avez déjà vu mais ce que je mange dans une journée ou des journées dans mon assiette dans le passé, je dirais que 99% du temps, je commence toujours ma journée avec un smoothie. Puis dans la vraie vie, c'est vraiment ça que je fais, le trois quarts du temps, je bois un smoothie. Sauf que pour faire différent, je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça me tentait de manger quand je voulais plus quelque chose de salé. Et puis ce matin, il se trouve que justement, quelque chose de salé, ça me sonne meilleur que quelque chose de sucré. Donc j'ai décidé de faire une espèce d'œuf McMuffin, mais sans œufs. Avec du tofu. Et puis en plus, j'ai la chance d'avoir une maman qui cuisine du bon pain au levain avec son propre levain qu'elle fait elle-même. Et puis elle est venue nous emporter, elle est tellement fine, fait que j'ai du bon pain au levain. Là, il est congelé parce que je voulais être sûre de le conserver le plus longtemps possible. Et puis là, j'ai un bloc de tofu ferme. Je pense que je vais juste prendre comme une slice de tofu. Environ comme ça. Et puis là, pour que ça ait l'air un peu comme d'un œuf, je vais mettre un petit peu de poudre de curcuma pour que ce soit comme un jaunâtre un petit peu. Faut pas en mettre trop parce que sinon ça va vraiment juste goûter le curcuma. Fait que j'en mets de tous les côtés, sur toutes les surfaces, pour que ça ait l'air un petit peu de ça. Et puis là, je vais mettre ça dans une poêle sur un petit peu d'huile. Et puis là, on va le faire rôtir de tous les côtés. Je vais ajouter un petit peu de sel, de poivre. Puis, qu'est-ce qui rajouterait vraiment le goût d'œuf? Ça serait si vous rajoutiez du sel noir. Je pense que ça s'appelle du kalanamak. Kalanamak. Je suis pas certaine. Je vais mettre le nom dans l'écran ici. C'est un sel qui a vraiment comme un goût de soufre. Fait qu'il vient vraiment rappeler le goût de l'œuf. Fait que si vous en avez, vous pouvez le rajouter. J'en ai pas, donc je vais faire avec. Bon, alors j'ai fait chauffer mon pain au levain. Puis, le tofu est pas mal fini. Je vais vous le montrer, il est super beau. Ouh là là! Regardez-moi ça. C'est si beau, wow! Donc je vais commencer par mettre un petit peu de mayo vegan sur mes toasts. J'ai coupé des petites tomates, fait que je vais en mettre par-dessus. Et finalement, le tofu! Ta-ta-da-da. Oh non, pas finalement, il manque la laitue. Fait qu'on a vraiment créé un genre de petit BLT vegan, ou plus un TLT. Tofu, laitue, tomate. Et voilà. Non mais regardez-moi ça, ça a l'air si bon.
Oh wow! Oh my god, j'étais excitée de manger ça. C'est sûr que techniquement, c'est pas une bonne combinaison alimentaire pour une digestion optimale. Parce que pour justement une digestion optimale, on n'est pas supposé manger une protéine complète en même temps qu'un hydrate de carbone. Fait que le pain, c'est un hydrate de carbone ou un carb. Et le tofu, c'est une protéine complète, fait qu'il se digère pas au même endroit. Ça dure pas le même nombre de temps non plus. C'est ça qui crée de la fermentation et des gaz. Mais honnêtement, à chaque fois que je fais une mauvaise combinaison alimentaire, je le remarque pas vraiment. Puis ça change pas grand chose à ma vie. Fait que le trois quarts du temps, j'essaie de faire des bonnes combinaisons, mais comme là ce matin, j'avais goût de salé. Pas une bonne combinaison, c'est pas grave. Il fait soleil, je suis contente dans mon cœur. C'est tout ce qui compte. Bon, alors, je vais goûter à ça pour vous. Vous essayerez ça. Sans mots. Dans un sandwich comme ça, honnêtement, excusez, je parle la bouche pleine, je suis un peu libre. La tranche de tofu, elle fait vraiment comme une texture de justement un œuf McMuffin, œuf. Ah oui, c'est vrai, je voulais vous mentionner parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux ici, puis dans la section des commentaires aussi, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui se demandaient si j'étais végétalienne ou quoi. Donc oui, je suis végétalienne, ça fait... ça fait 7 ans exactement ce mois-ci. Puis ma vie se passe très bien. Mon chum aussi est vegan. Je l'ai pas forcé, inquiétez-vous pas. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si je l'ai forcé. Je l'ai pas forcé. Peut-être que je vais réussir à lui demander tantôt de vous parler un petit peu de pourquoi il est devenu vegan puis tout ça. Fait que... on va se croiser les doigts pour ça. Donc je vais terminer mon déjeuner, puis on va se revoir la prochaine fois que je vais manger. Bon, à un certain point, pendant la journée, pendant l'après-midi, pendant que j'y pense, je passe devant mon armoire de suppléments puis de trucs de sorcières et de produits genre d'huile essentielle puis de trucs do it yourself. Fait qu'ici j'ai toutes mes huiles essentielles, j'ai plein de... je sais pas là, des suppléments, mais j'ai aussi genre des crèmes de bobo, puis des trucs pour faire des chandelles, plein d'affaires comme ça. Et puis là, c'est le moment de la journée où je pense à prendre ces deux suppléments-là. Donc il y en a un, c'est un supplément de vitamine B12, et un autre qui est un supplément de vitamine D3. Les deux, c'est des suppléments qui sont quand même assez importants à prendre quand on est végétalien, mais c'est aussi un super bon supplément à prendre en temps normal parce que c'est prouvé que une bonne partie de la société qui mange normalement risque de manquer de ça, surtout vitamine D si vous vivez au Québec. On voit pas beaucoup le soleil pendant l'année, donc c'est ça. Donc je fais juste prendre un push en dessous de la langue. Celui-là, il goûte la vanille, puis lui, il goûte les baies. Il goûte vraiment bon, puis là, j'essaie de le garder comme un peu en dessous de la langue. Puis après, je l'avale. Et voilà, c'est fait pour la journée. Ça a tellement pas rapport avec la vidéo de qu'est-ce que je mange dans une journée, mais je viens juste de remarquer que mon cactus fait un bébé. Je sais pas si vous allez être capable de le voir sur la caméra. Regardez, juste ici, c'est un bébé cactus. Oh my god, c'est l'affaire la plus cute que j'ai vue de ma vie, je pense. Ce cactus-là, quand je l'ai eu, il était grand comme ça, puis il a vraiment grandi, puis il fait des bébés, c'est trop cute! J'ai trop hâte de voir quand il va grandir. Je pense qu'il va être dû pour être empoté peut-être bientôt. Fait que désolé, c'était juste une parenthèse.
Allez, serviteur, apportez-moi mon thé. T'es tellement chanceux. En plus, je te sers le seul restant de thé glacé de la recette de Annie. Je sais jamais comment dire son nom. Je sais pas si c'est Daoust ou Dou. Annie. La recette d'Annie de thé glacé. Mais tu peux en prendre, je boirais peut-être pas de ça. Non, c'est correct, je te laisse. C'est bon? Ah ben de la lune. Ah ben de la lune. Bon, Martin était pas full excité, là. Quand j'ai dit que t'allais être sur caméra. Il était comme, non! Je travaille. Non, mais là, ben là, je travaille pas. Je travaille pas, fait que, tu sais, ça sera pas très long, ok? On va pas faire ça. Ah oui. Ah oui, des guédines. C'est juste que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me demandent si t'es végétalien, toi aussi. Puis, en sachant que t'es végétalien. Oui, mais ils te le demandent à toi, ils répondent. Non, mais là, ils veulent savoir ta version, pourquoi t'es devenue végane, pis tout. Fait que tu parlais de cette histoire-là. Pourquoi je suis devenue végé? Bon. Est-ce que dis que tu connais. Ben, je dis pas qu'est-ce qu'il faut que tu dises, là. Non, non, mais... dis-moi tout ce qu'il faut que je dise. Ça m'aide dans ma vie. Non, mais tu sais, tu m'avais dit quand tu m'avais rencontré que tu connaissais même personne qui était végétarien. Fait que pour toi, c'était genre. Ouais, on pensait tout que t'étais folle. Il y en a encore qui le pensent. Mais ouais, fait que c'est ça, je connaissais pas personne de végé, puis je savais même pas comment tu faisais pour survivre. Puis j'étais un gros mangeur de viande. Puis j'apportais mon bacon chez toi, puis je salissais tout le four à ton père. Hey, ça se peut hacher de la graisse de bacon là, partout sur le four. Mais personne te jugeait. Tu le sais jamais quand le monde te juge, t'es pas là. Je me fais souvent dire comme, ok, tu l'as forcé à devenir végé ou genre... Tu lui as demandé, mais dès le départ, je t'ai dit, tu manges qu'est-ce que tu veux, je te respecte. Moi, je mange ce que je veux, tu me respectes, puis... Elle m'a mis dans un coin, puis elle a dit, si t'es pas végé, je te laisse. Ah! J'ai pas fait ça, quand même. Mais tu bon, mon potage? Ben, j'ai juste goûté une cuillère. Puis c'était-tu bon? Sur 10. Bon, bien. Bon, tant mieux. Non, j'étais où? Qu'est-ce que je disais? Tu mettais de la graisse sur le four. Ok, oui. Avec ton bacon. Mais plus loin que ça, la raison pourquoi je suis devenu végé, c'est... au début, je l'ai faite pour Elisabeth, ça c'est sûr, là, tu sais, je connaissais pas vraiment ça, puis je me suis dit... J'ai jamais été difficile, par contre, moi, je mange plus pour me soutenir et non pour le plaisir. Ouais, t'as toujours dit que si, mettons, un moment donné, ça allait exister des pilules que tu peux prendre, pour, puis ça va remplir tous tes nutriments, tes calories... Ouais, des genres de bartendes. Hey, je serais pas capable de faire ça. Mais en même temps, je mangerais un bon repas semaine quand même, genre. Tu sais, ouais. J'adore le goût de la bonne bouffe, mais c'est juste que, tu sais, dans les journées de travail, puis quand tu cours... Hey, t'as pas besoin de faire de vaisselle en plus, ça serait magique. Non, c'est ça, je trouve que... Ouais. Mais bref, c'est sûr que j'apprécie de plus en plus manger, mais... Ouais, fait que c'est un peu ça. Fait que ouais, au début, je l'ai fait pour toi. Et tu m'as dit ça tantôt, puis ça après, j'ai entendu ça, moi, je pense que je... Je savais pas ça. Ouais, mais en même temps, pourquoi est-ce que je le ferais si je savais pas pourquoi le faire? Fait que c'est ça. Ensuite de ça, je me suis informé, j'ai écouté des documentaires. J'ai pleuré. Puis, mensonge. Puis c'est ça, fait que j'irai pas même plus loin. Tu sais, il y a l'aspect santé, il y a l'aspect planète, puis il y a l'aspect tout ce qui est éthique animale. Puis, tu sais, même si une ferme le fait de façon éthique, je me suis tout le temps dit, ben, je me dis surtout aujourd'hui, si je suis pas obligé de le faire, pourquoi je le ferais? Fait que manger de la viande, même si c'est fait éthiquement, je serais pas capable de le tuer puis de le manger. Fait que je me dis, si je suis pas capable de le tuer, moi-même, là, tu sais, donne-moi un fusil, je serais jamais capable de tuer une bête, là. Fait que bref, je tue des pois chiches à la place, puis ça me convient tout à fait. Meurtrier de pois chiches! Ouais. Fait que c'est ça, puis c'était pas si difficile que ça faire le changement, puis même si j'étais un gros mangeur de viande, fait que je trouve qu'il y a des façons de bien cuisiner n'importe quel aliment. Quand je dis bien cuisiner, je parle pas que c'est moi qui cuisine. Mais fait que c'est un peu ça, fait que faites vos recherches, puis bref, adaptez le style d'alimentation, comment vous vous sentez, puis votre énergie par la suite, parce que je pense que même en étant végé, il y a des différentes façons de manger végé. Tu sais, si tu manges beaucoup trop de carbs versus... Définitivement. Je pense qu'il y a des façons de manger de façon pas santé dans n'importe quelle alimentation. Là. Tout à fait. C'est juste important d'être équilibré dans tout ça. Fait que c'est pas mal ça. Merci. Je sais pas si j'ai une autre question pour toi. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Tu fais bien ça. Ouais, hein, je connais ça moi.
voilà pour ma journée de ce que j'ai mangé aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus. On va aller manger du popcorn en écoutant Last Kingdom. Vous me le direz dans la section des commentaires s'il y en a d'autres d'entre vous qui écoutent Last Kingdom. On aime beaucoup ça. On est en train d'écouter la nouvelle saison là, qui vient de sortir sur Netflix. Donc sur ce, je vous aime beaucoup. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Bon popcorn. Oh. Hey, le ciel, il est malade. Thank you.